Bonjour mes amis de Facebook, ça c'est la Germaine Food comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous montrer mon pili pili dans mon jardin, les habaneros. Vous allez voir le piment. Et puis prochainement nous allons vous montrer comment nous allons faire la sauce de pili pili. Hello everybody, this is the habanero and it's ready to be picked. And if you keep watching a few weeks from now, we will show you how to make it the habanero sauce. It's going to be very spicy. So today is just a habanero. And so we're going to show you how it is so we can see it in our next video. Donc nous prenons ceux qui sont verts, ceux qui sont green. Sinon nous ne prenons pas ceux qui sont green parce qu'il y a certains qui sont encore verts. Nous allons prendre ce qui est orange, comme vous voyez là. This is the habanero, and so we finished picking it. The orange is good to be picked them when orange, because that's when the spiciest is, when it comes very spicy to have good sauce. So, hope you guys like it. Ça c'est aussi, nous avons encore l'autre pili pili, c'est quelque sorte comme jalapeño, comme les Mexicains appellent ici. Alors, nous allons aussi les couper, les prendre aujourd'hui parce qu'ils sont déjà prêts. Nous pouvons aussi le mixer, le mélanger avec ce que nous avons pris auparavant. Donc, nous allons vous montrer dans notre prochaine vidéo comment est-ce que nous allons faire la sauce quoi. Donc, c'est aussi ready pour prendre. Hello everybody, this is the jalapeno. It's like jalapeno, it's really spicy. Like you saw before, our habanero, you can add this together in a habanero and it can make so good sauce. It can be delicious. You know, you can pour it. You can put it in nachos too if you want. But it's really good pepper. It's hot, it's spicy, and it's ready to be made. So, let me show you that. Ok mes amis, ça c'est notre piment qui est ready. Nous avons le habanero et nous avons le jalapeño. Donc prochainement, je vais vous montrer comment on fait la sauce de ça. Donc suivez-nous dans notre prochaine vidéo. This is the jalapeño. It's good. You know, you need to be careful too not to touch it on stuff. You know, it's good jalapeño, habanero, everything together to make good spice. So we'll see you guys in our next video. Ciao.